Ben, c'est vrai qu'on a de la confiance parce que voilà, au vu de notre première partie de saison, voilà, on sait qu'on a fait des bons résultats. On a marqué pas mal de buts et on s'en est pris très peu. Donc voilà, on sait que ça va être un match très décisif pour la suite du championnat. Donc voilà, on s'est bien préparé et on est surmotivé pour ce match. Oui, c'est vrai que si on gagne, voilà, on a un point en Ligue des Champions. Après, il y aura d'autres matchs, hein, il va falloir faire attention aussi pour les matchs qui arriveront. Et voilà, après, on sait qu'on va à Lyon et la dernière journée, qu'on pourrait, pourquoi pas, faire une petite finale chez elle. Oui, c'est vrai, voilà, il a... porte la petite pièce à l'édifice, comme on dit, parce que bon, il y a beaucoup de travail de Jean-Louis, il y a beaucoup de travail du staff aussi, on fait beaucoup de vidéos cette année, donc voilà, c'est le petit plus qui fait que cette année on est encore mieux parce qu'il nous apporte son expérience, mais après il se complète super bien avec le coach, donc ils ont la même vision des choses, donc ça nous apporte vraiment que du positif. Oui, c'est vrai, c'est notre objectif, surtout à Montpellier, toujours c'est la coupe. Et bon, si cette année on pouvait faire une deuxième place et au moins une finale de Coupe de France, ça serait bien. Après, la gagner, quand il y a Lyon en face, c'est toujours compliqué. Mais bon, sur un match, tout est possible. Donc voilà, déjà on se concentre sur le match de ce week-end. Et la coupe, on verra au fur et à mesure des matchs, on prend match par match. J'espère qu'on va gagner. Après, j'espère un petit 2-1 ou un 1-0, ça serait l'idéal de ne pas se prendre des buts en plus de ça. Donc, mais bon, je sais que ça va être un match super serré puisqu'ils ont une super équipe à Paris. En ce moment, ils sont bien, donc il va falloir être très très costaud et être forte mentalement pour pouvoir gagner ce match.